Grâce à sa participation aux Enfoirés pour les Restos du Cœur, Pierre Palmade a côtoyé de nombreuses personnalités. Parmi elles, Jean-Jacques Goldman, le maître de cérémonie du concert caritatif annuel. En 2019, alors que l'humoriste rentre de soirée, l'envie lui prend de composer une nouveauté. Je ne savais pas quoi faire, je n'avais pas envie de dormir, a-t-il narré à nos confrères après avoir précisé qu'il rentrait d'une nuit bien arrosée. Je suis à mon piano et je fais trois notes. Oh génial! J'ai une idée de comédie musicale, poursuit-il. En pleine ébullition créative, l'acolyte de Muriel Robin décide d'appeler Jean-Jacques Goldman pour lui faire part de sa création. J'articule bien pour ne pas me faire griller, allô Jean-Jacques, ce serait bien qu'on se voit. J'ai une idée de comédie musicale. Et je m'endors et je cuve. À son réveil, quelques heures plus tard, Pierre Palmade ne se souvient plus de rien. Sauf que l'interprète de Comme toi ne l'oublie pas, lui. Il rappelle l'humoriste deux jours plus tard et lui propose une entrevue pour lui raconter cette histoire de comédie musicale. Tension ou amitié, Muriel Robin, Michel Larocque, Pascal Obispo. Ces artistes dévoilent les coulisses des Enfoirés. Jean-Jacques Goldman ne lui a pas donné son nouveau numéro pris au piège, l'acteur et humoriste accueille tout de même le chanteur chez lui. Au moment de la question fatidique alors, cette comédie musicale, Pierre Palmade avoue sa honte, « Excuse-moi, j'avais bu. » C'était un coup de fil dont je me souviens même plus. Dans l'émission, l'humoriste prétend que cette petite bourde a eu des répercussions, un jour, il a changé de numéro de téléphone. Et il ne m'a pas donné son nouveau, a conclu Pierre Palmade. Article écrit en collaboration avec Cimedia. Crédit photo, agence.